Bon les gars, je sais que j'arrive un petit peu en retard pour le faire, mais voilà, je vais faire une tentative de let's play de One Piece Piraten 4 parce que je viens d'avoir le jeu du coup. Écoutez, on va faire une tentative de let's play, j'espère que ça va marcher. Je me sens chaud pour faire le let's play de One Piece Piraten 4, je me suis très peu spoilé sur le jeu. Je sais juste que ça a un gameplay putain de dynamique, qu'il y a des combos aériens et tout, mais j'ai regardé très peu de vidéos. Franchement, je voulais vraiment découvrir le jeu. J'ai hâte de voir ce que ça donne, je suis super curieux, donc écoutez, let's go! J'ai pas l'impression qu'il y ait scène. J'ai pas l'impression qu'il y ait de scène bloquée. C'est bon signe. Oh! Ah, il faut combler comme pour les parties de Wa. Hey, ça y est, ça joue. Ouais. Hey, y a trop d'enchaînement. Attends, c'est juste pas me carré. Ah mais gros, on nous met direct dans la sauce, c'est quoi le bail? Je sais même pas comment on joue. J'ai l'impression qu'il y a un changement de gameplay. C'est trop bizarre. Avancer vers la zone. Ok, vas-y. Let's go, on avance avec Kid. Putain, mais on est direct au pays de Wa, genre saut comment? Appuie sur croix pour sauter, voilà, donc les fameux combos aériens du coup. Ouais bah après ils nous disent de varier et ça y est tu vois. Ouais. Ouf. Mais on les one shot non? Là, par contre je refais tout le temps les mêmes combos, je pue la merde. Ah attends ils reviennent. Oh là là. Va falloir que je trouve le bon timing pour Putain, ça fait trop bizarre de faire des combos aériens par contre, c'est perturbant vraiment. Certains bâtiments et éléments peuvent être détruits. Ouais ça c'est une nouveauté. What? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur... Attends, ça fait trop bizarre. Ouais le mec en fait il fait des raid hawk en combo. C'est comment? Je sais même pas comment on rentre les spé. Puis sur rond pour effectuer une charge puissante qui vous permet de repousser les ennemis tout en vous déplaçant. Maintenez rond pour... Ah ouais. Ok il y a une jauge. Vas-y ça marche. Bah allez let's go. Putain mais on est à Wano Kuni. C'est trop stylé. Bah après je sais pas si ça va faire toute l'histoire de Wano Kuni tu vois mais... Oh là là. Ouais donc attends il y a une jauge d'endurance, d'armure machin je sais pas quoi. Donc verrouillé... Hein. Ok ça c'est pas très compliqué. Putain ça fait bizarre de pouvoir faire ça. Oh là là. Oh mais c'est trop bizarre. Eh, j'ai du mal à m'y faire hein. Le gameplay change beaucoup quand même hein. Oh je vois flou là les gars hein. Je vous le dis moi. Ouah, c'est trop bizarre. Genre je suis perturbé là. Bon continue d'avancer. Big Mom. Rien que ça. Je vous baise. 1000 KO déjà. Seul parmi 1000. Maintenez R1 et appuyez. Ok voilà. Ça c'est pour les SP. Nice. Alors. Euh.
Ok, je m'échauffe. Attends, j'obtiens des trophées en même temps. Oh, ça fait trop bizarre. Mais il y a une variété de combos, elle est incroyable en vrai. Ouf. Ah ouais, mais c'est sale. Mais les gars, je suis choqué en fait. Je suis choqué de la puissance du bordel. Ah mais en fait, je vous jure, c'est vraiment trop bizarre. J'ai du mal à me dire que je suis en train de jouer au jeu. Enfin, je sais pas, il y a trop de trucs qui... Je sais pas. Je sens que dans mes réactions, je suis pas pareil que d'habitude. Ça m'énerve là. Je sais pas trop quoi penser. Je suis un peu perdu là, les gars, je vous jure. Je suis en train de kiffer, mais à la fois, je sais pas, je suis à l'ouest, c'est trop bizarre. Attends, c'est vrai, faut que je nique la porte, non? Oi, Big Mom. Attends, j'ai envie de mettre... On peut pas mettre le chapeau? Ouais, j'ai envie de mettre mon chapeau, moi. Ok, ouais, elle a une jauge, machin, bon, ça bat les couilles. Moi, Big Mom, je la démarre! Caval. Mugiwara! Aïe, 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 aïe! Ah, je te démarre, moi! Certaines techniques spéciales, l'explosion d'énergie, ok, lorsque l'explosion d'énergie. Ok. Bah, ça doit un peu tout buffer, je pense, une connerie comme ça. Eh, par contre, Big Mom, t'arrêtes. Ah, mais d'accord, quand on rentre en spé, par contre, on peut se faire tèche, en fait. On peut se faire toser, quoi. Rah. Je vous le dis honnêtement, je sais même pas ce que je fais, je suis grave perdu, là. Je me fais démarrer par Big Mom, je fais de la merde. Ok, je me barre. Je sais même pas comment on esquive. Il y a trop de trucs que je sais pas en vrai. Direct on me met dans la sauce contre Big Mom à Wano Kuni, frère, je m'attendais pas à ça moi. Moi de ce que je sais, genre... Ah attends, cinématique. Oh. Ah! Wouah! Kaido il est immense! Oui! Ah, attends, y'a un truc là-bas à récupérer! Ah, c'est de la life! Ouais, franchement, la différence de vie entre elle et Kaido elle est flagrante! Non, Snake Man! Direct. Wouah, je sais même pas ce que je fais. Oh, c'est perturbant. Oh, je suis en train de le démarrer. Mec, la vie que je lui ai enlevée. Wow, il est énervé en Snake Man, Luffy. Oh, ce qui s'est pris, Kid. Bon, par contre ça me fait chier que Luffy il ait pas la bonne tenue, tu vois.
Ça, c'est vraiment une force de la nature, Kaito. Kaido, pardon.俺の首が取れるとでも思ったのか。お前ら Ok, donc ça c'est un truc qu'on a déjà vu dans Pierre 3. Cinématique qu'on connaît déjà. La bouche. おお、俺たちを超えるのか。じゃあ、この帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。 いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。大金出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。 10年後。 Ah, y a déjà le mode trésor de débloquer? Je sais même pas ce que c'est en vrai. 2 des 4 empereurs. J'obtiens masse trophée là. Partie en ligne, joue en ligne. Ah, parce qu'il me semble qu'on peut faire le mode histoire en multi, non? Arcalabasta. Putain, c'est bien fait. Genre là, ils font vraiment l'île comme elle est. Pas mal. Je vais regarder, ça fait combien de temps que je rec. Bon bah je pense que ça va partir sur un let's play, du coup il y a... Enfin j'ai pas l'impression qu'il y ait de scène bloquée, donc on va continuer. J'espère que ce premier épisode vous aura plu de One Piece Pirate Wars 4. Je me suis contenté juste de faire la prologue cette fois, comme ça on fera l'arc Alabasta à temps plein pour le prochain épisode. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et puis moi les Nakama, sur ce je vous dis à la prochaine. Jana.